Coucou à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Allez, on est lundi 18 et je m'en vais à Lidl. Tout simplement pourquoi? Parce que ce matin, ils vont mettre les déguisements spéciaux Halloween. Et l'année dernière, à l'école, ils ont fait donc Halloween après les vacances de la Toussaint. Et Maëlia, pour trouver un déguisement, c'était la misère. Et les seuls qu'il y avait, c'était dans les magasins de jouets, même à Jiffy, je trouvais qu'ils étaient chers. Et au final, elle s'est retrouvée avec un chapeau de sorcière, un leggings et un déguisement de Laura, sorcière, qui était beaucoup trop court. Donc là, étant donné que j'ai vu que ce matin à Lidl, ils sortaient des déguisements, écoutez bien, j'espère trouver sa taille. Bon là, j'y vais à l'ouverture, donc du moins l'ouverture, il est 9h. Pratiquement, hein, 56, 6,99€ le déguisement, fille ou garçon, alors il n'y en a pas 36 000, hein. Il n'y a que deux déguisements, il y a le déguisement de la sorcière et le déguisement un petit peu funéraire, vous savez, le dessin animé, là, un peu squelettique, je vous montrerai, et il y a les chaussettes à part à 2,99€ qui vont avec. J'ai envie de vous dire, ça fait même pas 10€ le déguisement. Donc, je me suis dit, je vais aller là-bas ce matin et en plus de ça, je vais profiter pour acheter de la viande. Parce que j'ai acheté de la viande chez Leclerc et le mari, plus ça va et plus il la trouve dégueulasse. Voilà, donc il adhère pas. J'ai acheté des merguez, il y avait plein de morceaux durs, ça l'a écœuré. J'ai acheté des steaks hachés, mais c'est vrai que là, il ne restait pas les steaks hachés que je prends d'habitude, mais c'était toujours 15% de matière grasse. Ils étaient juste tendres, façon bouchée. Il a détesté, il m'a dit que c'était dégueulasse. Donc, bah, écoutez, étant donné que la viande à Lidl, on l'aime bien, on l'avait pris pendant les vacances au camping et c'est vrai qu'elle était bonne. Bah, écoutez, vu que j'y vais pour le déguisement Halloween ce matin, je vais acheter la viande. Comme ça, bah, Leclerc, je prendrai juste les pâtes, les autres produits qu'il me faut, que je prends habituellement. Je sais qu'à Aldi, mon père m'a dit que la viande était moins chère, un peu moins chère que Lidl. Va falloir que j'aille regarder aussi, mais là ce matin, franchement, j'ai pas le temps. Comme je suis à Leclerc, à Lidl, je reste à Lidl. Parce qu'après je dois remonter, je dois faire du ménage, je dois passer des coups de téléphone parce que ça y est, hein, donc je commence à préparer pour l'arrivée du bébé, donc j'ai des papiers à faire aussi pour le bus, pour Laura, il faut que je voie avec la femme ce matin là, donc franchement j'ai pas le temps d'aller à Aldi, mais apparemment à Aldi, mon père m'a dit qu'avant eux, mes parents faisaient des courses à Lidl, hein, ils prenaient la viande à Lidl, ils faisaient des courses à Lidl. Voilà. Et mon père m'a dit que chez Aldi, apparemment, la viande serait moins chère et apparemment serait meilleure que chez Lidl. Voilà, donc je sais pas. Tu sais que Paula avait fait un haul Aldi où elle avait fait des courses à Aldi et elle m'avait dit qu'elle avait trouvé que c'était plus cher, qu'elle n'avait pas grand-chose dans le caddie et qu'elle y retournerait pas. Donc je sais pas, il faut que je regarde les tarifs ou tout. Je verrai. Mais pour l'instant, c'est Lidl ce matin. Je vais déposer les chèques aussi parce que la semaine dernière c'était l'anniversaire à Laura et que bah, elle a eu de l'argent, donc je vais déposer les chèques et quand ils seront encaissés je lui passerai donc le restant de son argent puisque la première semaine des vacances, donc la semaine prochaine puisqu'ils sont en vacances vendredi là, ah oui, 15 jours, je vais monter à Motoban parce qu'elle veut monter à Motoban, elle veut aller à Jennifer. Voilà, donc on a pas mal de petites routes à faire. Bon, c'est pas non plus très loin, il faut une heure, hein, pratiquement. En passant à l'autoroute, du moins 50 minutes. Donc on ira, et puis moi en même temps, j'irai à Action parce qu'il me faut des rangements pour les chaussures en plastique. Retrouver mon petit sambon là que j'avais acheté, qui sent super bon, et s'il en reste, j'en prendrai deux. Parce que vous savez que moi, le Action n'est pas à côté. Oui, oui, mais je me colle, monsieur, je me colle, ne te tracasse pas. De toute façon, j'arrivais pas vite, hein, toi, t'arrivais plus vite que moi. Hein. Et donc, je ferai le plein, puisque, bon, j'y monte pas tous les 4 matins, hein, à Action. C'est pas à côté. Et on va avoir un Action, mais je pense que je vous l'ai dit. On va avoir un Action, là, juste en bas de chez moi. Alors, moi qui voulais un Action près de chez moi, comment vous dire que là, en 5 minutes... C'est à côté de Leclerc Drive, c'est à côté de tout, ben à côté de Lidl, là où je vais ce matin. C'est juste le top. Il arrive en 2023. Voilà, là, ils ont commencé à faire les travaux.
Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'espère juste que par rapport au métier du mari, on va pas partir. Parce qu'il peut être muté. Alors ça serait ballot. Hein. Ça serait ballot. Parce que lui, il aimerait partir en Corse. Et je pense pas qu'en Corse, il y a des actions. Je pense pas. Donc voilà ce matin ce que j'ai à faire. Voilà. Et ce matin, bah écoutez, il fait un petit 4 degrés. Alors, sur les hauteurs là où je vis, dans la campagne, il faisait 6. Donc normalement il devrait faire plus froid. Mais non, là je suis en bas de ma colline. J'arrive pratiquement à Lidl. Et il fait que 4 degrés. Voilà, on ne sait pas comment s'habiller, hein, parce que cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il fait un peu frais le matin, mais l'après-midi, on monte quand même jusqu'à 25, j'ai vu. Aujourd'hui, 22, demain, 24, mercredi, 25. Et il me semble que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on descend à 19. Comment tu ne veux pas choper la crève? Explique-moi. Voilà. Bon, allez. J'arrive. Donc, je vous te dis à toute allure. Allez, il est 10h, je vais déposer les chèques et du coup je me suis arrêtée à Kiabi parce que Maëlia a besoin de pyjamas. Mais alors les pyjamas, je les trouve super chers, 13 boules, un pyjama Disney qui est fin comme pas possible, non j'ai pas pris. Par contre je lui ai trouvé un pull licorne avec la capuche, je suis sûre qu'elle aurait kiffé, donc je lui ai pris. Je lui ai pris des petits leggings parce que moi ma fille c'est Madame Leggings. C'est pratique. Il n'y a pas de boutons, c'est pratique pour l'école. Et je lui ai retrouvé, je ne sais pas pourquoi ça fait ça ma frange, des chaussures style un petit peu Doc Martens, mais avec des talons épais, cirés, c'est-à-dire au moins quand il va pleuvoir, nickel, pas de lacets, fermeture sur le côté qu'on enfile comme une chaussette, 15 euros. Franchement, moins cher que ça, j'ai fait pas mal de magasins ici, surtout qu'on n'a pas beaucoup de magasins par chez nous. Voilà. Je suis plutôt contente. J'espère que la taille que je lui ai pris va lui convenir. Voilà. J'espère. Voilà. Je lui ai pris taille 32. C'est pas sûr que ça lui aille, mais bon. On va même voir. De toute façon, la fille de Kiabi m'a dit que j'avais un mois pour échanger. Donc d'ici là, je retournerai à Kiabi avec elle, quoi. Là, je vais déposer donc le chèque. À Lidl, je vais vous faire le retour de course que j'ai fait. J'en ai eu pour 72 euros, mais il y a les déguisements à Maëlia dedans. Voilà. Et donc après, à Lidl, j'achèterai que... à Leclerc, j'achèterai que ce qu'il me faut, c'est-à-dire les yaourts, le fromage, l'eau, les légumes... Et voilà, donc on verra si ça revient moins cher ou pas. J'ai des petits doutes. Bon, là, en même temps, j'ai pris beaucoup de viande. Hein. Je pense qu'on en a pour 10 jours. J'ai pris du poisson, j'ai pris des steaks hachés. Mais steaks hachés, j'en ai pris que 4 parce qu'ils font que par 4. Là, il n'y avait pas beaucoup de viande. J'ai pris des saucisses, des blancs de poulet, des escalopes de dinde. Voilà. Écoutez, on verra bien. Donc là je dépose ça et puis on se retrouve à la maison. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait ma frange là. Voilà. Suite à toute allure. Avec le portable, hein, le retour de course, parce que franchement, j'ai pas envie d'aller chercher ma caméra. Donc j'y allais pour les costumes d'Halloween. Donc il y en avait un troisième, par contre il n'était pas référencé sur le catalogue. Le diable, c'était une robe avec un petit cerceau avec les cornes rouges, voilà. Alors moi, Maëlia voulait celui-ci. Vous voyez, c'est les squales, voilà, sucre squale, squelette mexicaine, quoi, funéraire, quoi. Donc vous avez la petite robe comme ceci et vous avez donc la coiffe que je trouve trop belle, voilà, le cerceau serre-tête. Donc il y avait la taille S, M, alors S, je crois que c'est 4-6 ans. Là, c'est 7-10 ans. Et après, vous avez pour tous les petits. Hein, voilà. Pour chez les grands, 4-6 ans et 7-10 ans, il y avait ça, la sorcière et le diable. Voilà. Et donc, après, il y a les collants. Et les collants, vous avez que deux types. Il y a celui, le squale. Hein, voilà. Moi, je trouve que ça va bien
avec ça. Et je lui ai pris le soleil en taille 8-10 ans. Voilà, je ne sais pas si ça va lui aller, on verra bien. Donc ça c'est 2,99 et ça c'est 6,90 ou 6,99. Donc ça fait moins de 10 euros. Donc ça c'est cool. Donc après, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, vous voyez, j'ai mes paniers là. Yes. Alors, ensuite, ce que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté des Pringles, des petits Kinder comme ceci. Alors, je vais essayer de prendre l'autre main, ça serait mieux peut-être. J'espère ne pas bouger, je suis désolée, hein. Des bananes bio. Alors, les tarifs, je ne vous les mets pas, hein, parce que Lidl, voilà, c'est les prix, hein. Il n'y a que les pâtes que je me souviens, c'est 75 centimes. J'ai pris des spaghettis panzani et des petites coquillettes parce qu'il n'y en avait plus. Et que Maya en a réclamé, donc c'est 75 centimes. Ensuite, niveau viande, j'ai pris du poisson. Voilà, alors nous on aime bien le lait noir avec du blé, de la farine de blé. Voilà. Ensuite, j'ai pris des merguez, donc ça sera pour ce midi. Donc là, il y en a 12. Ensuite, j'ai pris 6 chipolatas comme ceci. J'ai pris des aiguillettes de poulet. Et j'ai pris deux petits pavés comme ça marinés à l'échalote. Il y avait poivre vert et ils sont très bons. Ceux-là, je les avais pris quand on était au camping. J'ai pris de la viande hachée, voilà, pour faire des pâtes bolo. J'ai pris donc les 6 croquettes comme ceci au fromage fondu croustillant. Voilà, là vous avez 500 grammes. Donc ça revient moins cher parce que à Leclerc pour 4 on en a pour 5 euros. Là c'est 5,99 et on en a 5. Voilà, donc c'est un peu moins cher. Et ensuite j'ai pris donc 2 escalopes comme ceci, extra fines. Parce que chez Leclerc, ben, ça coûte 8 euros. On en a 5. Mais il y a des morceaux qui sont immangeables. Hier, pareil, le mari a râlé. Parce que il y avait des nerfs et que. Voilà. Donc, des coups, j'en ai pris comme ça, des extra fines. Et ensuite, j'ai pris donc des steaks hachés x4. Alors, je sais que chez Lidl, on avait pris, ils étaient bons, ils n'avaient rien dit. Donc là, c'est toujours 15% de matière grasse, hein, c'est à l'envers. Mais bon, voilà pour le premier petit panier. Parce qu'autrement, il y a le soleil. J'ai pris un petit burger comme ceci. Alors, il n'y avait plus les burgers Camomilia au poulet. Ils font franchement très bon, les burgers. Chez Lidl, ils sont à 2,89 ou 2,99. Ils sont très bons. Donc là, j'ai pris burger Chantegril, cheddar et oignon. Ensuite, j'ai pris les sacs à poubelle. Voilà, alors il n'y avait pas 30 litres. Donc j'ai pris 50 litres. Ils sont très bien parce qu'ils se détachent tout seuls. Ça, c'est cool. J'ai pris des petits biscuits apéritifs, des 3D. Et les petits vampires qui sortent chaque année pour Halloween. J'ai pris du lait. Alors, un bac de lait comme ceci. Et 3 autres comme ceci. J'ai pris ça. C'est une petite nouveauté. Alors, à tester. Hein, j'ai jamais vu chez Lidl. Donc, c'est pour faire des pancakes. Voilà. Donc, il y a l'ingrédient dedans. Il faut bien secouer. Et apparemment, il faut rajouter de la farine, des œufs, je crois. Bien ajouter la bouteille avant préparation afin que le mélange soit pas collé. Ajouter du lait froid jusqu'à marquage et refermer la bouteille. Non, il y a juste du lait à rajouter. Voilà, et il faut rajouter du lait jusqu'à ici. Voilà, je me dis que pour les vacances, le matin, ça peut être pas mal des pancakes avec du Nutella ou de la confiture. Et ensuite, eh ben, j'ai pris du liquide vaisselle parce que j'en ai plus. Et j'ai ma petite vaisselle de hier soir à faire. Et mes petites lingettes juste ici. Voilà. Ah oui. Et j'ai pris des chaussettes pour Marilia à 3,19 ou 2,99. Voilà. 31, 34. Voilà. Et pour tout ça, j'en ai pour un total de 72 euros. Voilà. Mais il y a les déguisements. Voilà. Donc après, dans la semaine, je ferai donc tout ce qui est yaourt, fromage et tout. À Leclerc, voilà, et je verrai si ça revient moins cher ou pas. Mais en tout cas, au niveau viande, le mari, bah, il peut plus. Voilà, la viande de chez Leclerc, il ne peut plus. Voilà, c'est tout pour les retours de course de ce matin. Et ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Kiabi. Oui, parce que je vais aller chez Kiabi en même temps. Alors, chez Kiabi, déjà, je vais retrouver ces chaussures. Ce que je vous disais, regardez comme elles sont trop jolies.
15 euros. Franchement, j'ai été étonnée du tarif. Donc, elle m'a mis le ticket de caisse dedans. Au cas où ça ne lui irait pas. Vous voyez, c'est des chaussures cirées. Ça, l'hiver, s'il pleut ou quoi que ce soit, ça bougera pas. Et voyez la semelle, comment elle est au niveau. C'est trop joli, ça fait un peu rock'n'roll. Et donc, ben, il y a les fermetures ici. Voilà. Il y en avait à 20 euros qui, pour ma part, étaient un peu plus qualitatifs, qui avaient des petites étoiles en breloque. Mais ça, je sais très bien que ça ne va pas durer très longtemps. Et au niveau semelle, c'était les mêmes. Voilà. Donc, écoutez, on verra bien si ça lui va. En tout cas, 15 euros, ça vaut vraiment le coup. Et puis derrière, il y a des petites étoiles comme ça. Franchement, je le trouve vachement très fun. Je lui ai pris trois leggings, alors simples. Voilà, c'est des leggings à 3 euros. J'en ai pris un noir, un bleu parce qu'on en a bousillé trois et un rose. Pourquoi? Fuchsia. Pour aller avec le pull que je lui ai acheté. Alors, c'est un petit pull comme ça. Je lui ai pris en 10 ans parce que moi, j'aime bien quand c'est long. Alors, il est simple, il y a des petites poches ici. C'est de la laine. Voilà, je l'ai payé 13 euros. Et la petite particularité, c'est au niveau de la capuche. Voilà, c'est la licorne. Tout simplement, les petites oreilles, la petite licorne. Et vous l'aviez en blanc et c'était le panda. Voilà, mais moi, je l'ai pris la licorne. Parce que je sais qu'elle avait un pyjama licorne qu'elle aimait beaucoup. Voilà, ça, j'en ai eu pour 37 euros. Voilà. Bon, il est. Je vais mettre un peu le zoom. 2h30, je suis sur ma coiffeuse parce que j'ai dû faire une retouche au niveau de mon make-up. J'ai les yeux qui ont pleuré et ce que j'ai oublié de faire ce matin, quand j'ai l'habitude de faire mon make-up simple, c'est-à-dire juste un trait de liner, un rouge à lèvres, travailler le teint, je mets toujours un fard de beige un petit peu, vous savez, effet peau. De ma teinte bien sûr et je tire mon trait liner, ce que je n'ai pas fait ce matin. Et étant donné qu'en ce moment on a quand même des températures un peu printanières encore d'ici les semaines qui ont précédé et qui vont arriver là, écoutez, on a des températures 25-26 les après-midi. Donc le matin il fait 4 degrés et les après-midi on a 25-26. Lundi, mardi, mercredi il va faire super bon. À partir de jeudi je crois il pleut jusqu'à dimanche. Mais j'ai les yeux des fois où la paupière se colle. Si je ne mets pas un fard au-dessus de ma base et même si je tire un trait de liner, des fois ça tient, des fois ça ne tient pas. Voilà. Et ce qui a été aujourd'hui, en plus, je me suis mis un petit peu en colère. Pourquoi? Parce que j'ai mon ordinateur qui s'est déconnecté et Wi-Fi, mot de passe, ne voulait plus marcher. Et impossible de mettre la main dessus le papier. Parce que j'ai changé ma Freebox il y a 3 mois parce qu'elle était morte. Et quand ils m'ont relivré ma nouvelle Freebox, j'ai eu de nouveaux codes. Et la dernière à avoir pris le petit papier où il y a le petit scan, parce qu'on peut scanner maintenant avec le téléphone, c'est Laura, puisque Laura, on a acheté un nouveau portable au mois de septembre, puisqu'elle en avait un qui était vieux et que du coup, Maëlia a récupéré pour pouvoir jouer un petit peu avec elle. Et c'est elle qui l'a pris en dernier. Impossible de remettre la main sur le papier. J'ai démonté toute la baraque depuis 11h30 que je suis rentrée, que l'ordinateur s'est débranché, déconnecté. Donc j'ai dû appeler Free. Voilà, et je suis sûre que le papier va ressortir maintenant. Je le garderai et je mettrai de côté. Donc là, je suis là parce qu'en même temps, j'ai rangé un petit peu ma coiffeuse parce que j'ai regardé un petit peu les palettes que je voulais peut-être approximativement vendre. Je voulais vendre une palette de chez Yuda. Mais finalement, ouais, je pense que je vais pas les vendre. Parce que je trouve que les petites palettes de chez Yuda, comme ça, elles sont vraiment très pratiques. Parce qu'on a vraiment les couleurs. Voilà, si on veut faire dans les tons de rosé, violacé, il y a celle-ci. Il y a la gold qui, pareil, que je peux retrouver dans une couleur de une palette de couleur pop, mais non. En fait, je voulais vendre celle-ci, mais du coup, je pense que je vais regretter. Voilà. Donc, j'étais en train de regarder un petit peu. Bon, il y a des palettes que je vais vendre. Hein. Il y en a quelques-unes que je vais revendre. Celles que j'utilise beaucoup quand je vais faire des make-up très simples et que j'ai les marrons vraiment que je cherche avec pour unifier ma paupière mobile, c'est celle-ci, celle que j'avais achetée à Jessica. Toute neuve. Franchement, je crois que j'avais payé 30 euros alors qu'elle en valait beaucoup plus. Elle était toute neuve. Elle n'avait jamais utilisé. Et c'est la Rolouette, vous voyez.
Celui-ci, je l'ai énormément creusé parce que c'est ce que je mets. Il a vraiment la couleur de ma peau. Et après, je tire mon trait de liner. Voilà. Franchement, on a les beiges, on a un peu plus vers les marronnés. Elle est trop bien, cette palette. Elle est trop bien. Celle-ci, c'est une certitude que je ne la vendrai pas. De toute façon, même si je la revendais, je la revendrai en perte parce que j'ai creusé certains fards. Donc, non. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les packagings aussi. Vous voyez? Parce que les packagings, ça prend de la place dans les tiroirs. Et du coup, ben, moi, je les garde parce qu'après, ça me donne des idées de faire des petits trucs création au niveau de mon mur. Donc, je garde. Voilà, donc Colourpop, j'en ai très peu. Hein. J'ai celle-ci que m'avait offert Jessica. Et on retrouve des marronnés et des dorés. Mais j'ai swatché. En fait, c'est pas les mêmes. Je pensais que celle-ci, la marronnée, se rapprochait beaucoup de la gold de chez Yuda. Certes, oui, puisqu'il y a deux golds. Mais ils sont totalement différents. On n'a pas les mêmes nuancés au niveau des irisés, des paillettes. C'est pas la même chose. Il y a des sous-tons qui sont totalement différents. Donc, non, je vends pas mes Yuda. Pareil, Natasha Denona, j'ai enlevé les packagings. Mais ça, je les vendrai pas parce que quand je veux me maquiller dans les kakis, j'ai ça. Quand je veux me maquiller dans les nudes, j'ai celle-là. Vous voyez, la kaki. Quand je veux faire des kakis, c'est très pratique comme palette. Si un matin je veux me maquiller nude et que j'ai pas envie de sortir des grosses palettes, voilà. Et celle-ci, c'est celle que Jessica m'avait offert aussi. Donc Natasha Denona, non, parce que c'est une pigmentation de malade. Et ça, c'est une certitude, je ne revendrai pas. Voilà. Donc j'ai enlevé tous les packagings. Les packagings, là, il y en a un que j'ai collé sur mon mur. Voilà. Et c'est tout ce que j'étais en train de faire. Voilà. J'étais en train de regarder un petit peu les pattes puisque il va y avoir un dégoûteur que je vais tourner, je pense, au mois de novembre, puisque je la programmerai pour Noël. Et donc les produits, je les mettrai lorsque la vidéo sortira. Voilà. Alors peut-être pas à l'instant T même, hein, peut-être quelques jours après. Il faudra surveiller mon Vinted. Et puis je pense que dans cette semaine, on va faire le make-up avec cette palette. Alors voilà, je vais pas faire une vidéo spécifique pour les palettes, parce que de toute façon ça marche pas hein, sur ma chaîne. Je vous fais des make-up Halloween et je vois très bien que ça marche pas, ça me dégoûte. Il y aura toujours des crash tests make-up, mais peut-être des produits un petit peu chelou, voilà, comme celui-ci. Ça, c'est un mascara qui à l'origine se met en base. En top coat. Après, on met son mascara pour avoir un effet waterproof, mais Marion Chameleon l'utilise pour les sourcils. Donc ça, je ferai une vidéo à part. Mais voilà, les palettes, voilà, celle-ci, c'est la Jaguar. Elle est trop belle. Et il y a la Python qui me dit. Et les couleurs sont comme ceci. Vous voyez? Et là, c'est vraiment, on a vraiment le marron grisâtre, là, avec mon rouge à lèvres Goldadon, ça va faire trop joli. Il y a un noir aussi, donc on fera ça. Par contre, celle que vous allez retrouver, c'est une certitude à la vente, déjà pour celles qui seraient intéressées, c'est la Morphe. Voilà. Je l'avais achetée sur Vinted, mais franchement, je m'en sers pas. Et j'ai beaucoup de ces couleurs que je trouve dans les palettes Flawless. Les bleus, je les retrouve dans la palette de chez Tarte. Jaune, je les retrouve dans d'autres palettes. Et je l'ai utilisé qu'une fois. Je l'ai crash testé, voyez. Et le noir, maintenant, je le retrouve dans le petite palette de Yuda. Donc celle-ci, vous la retrouverez. Alors moi, je l'avais acheté 18. Je la remettrai en vente à 16 parce que voilà, j'ai utilisé deux ou trois fards en plus lorsque je l'avais crash testé. Voilà, maintenant je vais pas la donner non plus, je vais pas la mettre à 5 euros. C'est une Morphe, donc voilà. Je trouve que Morphe, franchement, c'était ma première. Est-ce que c'est une palette voilà qui lui rend pas justice à la marque? Mais voilà, j'ai pas aimé. Voilà, je préfère largement la palette Beauty Bay de chez Coralie ou les Yuda ou les Natasha Denona. Too Faced, je les aime pas toutes, hein, les Too Faced. Voilà, c'est pour ça que moi, les collections de Noël, je ne les achèterai pas. Voilà, tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas de pigmentation dans les coffrets de Noël. Et puis, Too Faced, c'est toujours les mêmes harmonies de couleurs. Voilà, on a toujours du nude, du violacé, du rose un petit peu violacé. Voilà, non, c'est pas du tout mon délire. On est mardi, il est 9h22. J'ai Maëlia qui est partie au bus. Au bus. Au taxi, le bus.
Elle est partie pour son premier trajet au taxi. Un petit peu stressée ce matin, bon, ce qui est normal hein, en soi. Je vais me remettre le micro. Non, parce que je ne vais pas le mettre là. Hop. Bon, j'ai mis en haut comme ça avec une espèce de brassière trop jolie qu'on retrouve sur Shein. Hein, voilà, et hop. Et j'en ai trouvé d'autres sur Shein. J'ai fait une commande sur Shein parce que il me fallait des soutiens-gorge ensemble, voilà. Et je trouve que sur Shein, on trouve pas mal de jolies choses, voilà. Donc là, vous voyez, comme moi, j'ai beaucoup de hauts comme ça, en fait, des hauts asymétriques, des hauts bardeaux ou des hauts que j'avais achetés l'année dernière, un peu plongeants. C'est vrai que on peut mettre des soutiens-gorge comme ça, un peu en dentelle. Vous voyez comment ça fait? Ça ressort. Même les bretelles, je trouve que franchement, sur Chine, on trouve des trucs trop trop bien. De toute façon, je vous ferai une vidéo. C'est ma soeur. Je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai acheté. Je vous montrerai la lingerie que j'ai achetée. Je vous montrerai les photos, mais je ne les porterai pas hein, en soi. Soyons d'accord, je ne me foutrai pas en lingerie ni en maillot de bain sur ma chaîne. Mais je vous montrerai la qualité en fait, ce qu'on peut avoir sur la photo et ce qu'on peut recevoir. Et je vous montrerai comment je porte avec un haut en fait. Voilà, comment moi je le porte. Après, j'ai commandé deux hauts et un pantalon. Ça, oui, je vous le montrerai. Et je crois que j'ai pris un accessoire. Voilà, soit c'est ma soeur qui me parle puisque c'est l'anniversaire de ma nièce aujourd'hui. Donc je viens de lui envoyer un petit happy birthday to you avec Maëlia avant qu'elle parte au taxi et elle me répond merci. Apparemment elle est pas très très bien, elle est un petit peu fatiguée en ce moment. Il y a beaucoup de microbes, voilà, et ce qui est normal hein, on est en automne et le matin il fait frais et l'après-midi on a du 24-25 degrés donc. Bon, ce matin, je ne vais pas me maquiller. Par contre, je vais vous montrer pas mal de petites choses ce matin. Voilà, j'ai pratiquement plus de batterie. Je vais juste me nettoyer le visage, mettre mes soins de chez Fenty Beauty. Hein, voilà, donc j'alterne Fenty Beauty et le lendemain, je mets la crème de chez Sienne. Il faut que je vous fasse la vidéo aussi qui sortira au mois de novembre, tous les produits que j'ai pu tester en 2021 de chez Sienne. Voilà, je vous donnerai mon avis. Parce que j'avais fait une vidéo sur les dupes de chez Lidl. Voilà, et c'est vrai que c'est une vidéo que vous avez beaucoup appréciée et qui est encore beaucoup regardée. Donc là, je reviendrai sur les produits de 2021. Voilà, donc là je vais mettre mes soins, donc j'alterne. Donc hier j'ai mis Fenty Beauty, donc ce matin je vais mettre juste ma crème. Ici je vais rincer donc mon eau micellaire de chez Sienne hein, que j'utilise aussi. Donc ça je crois que c'était la gamme 2021. De toute façon c'est des gammes qui ressortent assez souvent, donc j'en reparlerai. Ouais, je vais me faire maintenant ma petite pince. Je vais faire mon petit soin. Je ne me maquille pas tout simplement parce que cet après-midi, je vais vous tourner la vidéo sur le produit. Comme ceci. Voilà, le produit de chez Youda. Voilà, tout simplement. Donc c'est le mascara qui est à la base, qui est donc un top coat mascara, qui va venir rendre votre mascara waterproof. Je vois pas trop l'intérêt. Mais moi je l'ai acheté parce qu'en fait Marion Caméléon l'applique sur les sourcils. Et le savon Pierce, j'aime bien. Mais c'est vrai que ça demande de la dextérité que je n'ai pas encore. Et des fois je les réussis, des fois je les réussis pas. Des fois j'ai du blanc sur les sourcils. Donc c'est vrai que le Brow Freeze de chez Anastasia est super bien parce que c'est transparent et tout. Mais il ne tient pas. Il faut mettre la tonne. Et même en mettant la tonne, s'il fait très chaud, les sourcils retombent. Donc ça c'est chiant. Par contre, le savon Pierce, ça ne bouge pas. Et vous savez, mon amour pour les produits à sourcils, hein, voilà, hein, j'aime bien. J'ai toujours aimé avoir de jolis sourcils et donc ça apparemment c'est une dinguerie, voilà, donc ça s'applique, Marion l'applique sur les sourcils. Alors elle a testé une fois dans une vidéo, elle n'a pas donné de retour, donc je sais pas si c'est vraiment bien. Dans la vidéo en tout cas ça fixe super bien, donc écoutez, on testera ça cet après-midi. Je vais mettre les la table et tout. Ça je me maquillerai demain, non pas demain. Parce que demain, je vais faire le make-up Halloween. Donc, le matin, je ne me maquillerai pas. Parce que je vais faire la troisième vidéo make-up Halloween. Que je te spoilerai.
Ouais, je pense. Et je pense que jeudi, je me maquillerai avec la Wild de chez Yuda. C'est la Jaguar que j'ai pris. Voilà. Je vous ai montré ça dans le haul que j'avais fait quelques petits achats sur Sephora. Voilà, parce que je ne vais pas vous la faire personnellement dans une vidéo attitrée parce que ça ne marchera pas. Que ce soit des produits un petit peu what the fuck comme le mascara, c'est des vidéos qui vont être très courtes, comme le spray pour faire les taches rousseur avec le Magic Retouche a très bien marché puisque je suis pratiquement à 1000 vues. Mais voilà, après les vidéos comme ça individuelles sur les palettes, ça ne marche pas sur ma chaîne. Et je pense pourquoi? Parce que je ne suis pas une youtubeuse qui va acheter toutes les nouveautés qui sortent. Je vous ai déjà dit, moi, quand j'achète un produit, c'est un coup de cœur, c'est surtout l'harmonie des couleurs que je n'ai pas. Ça ne sert à rien d'avoir 36 000 couleurs similaires parce que j'en ai hein, des palettes qui sont pratiquement un peu similaires dans le nude. Et que je trouve que finalement, certains marrons peuvent peut-être avoir des sous-tons différents, mais ça se ressemble fortement. Ça sert à rien d'avoir 30 palettes avec les mêmes harmonies nude. Voilà. Ça là me disait beaucoup parce que y a un espèce de gris que je n'ai pas, vu que ça va aller avec mon rouge à lèvres gris de chez Golden Rose. Et puis il y a quand même des couleurs un petit peu sortant de l'ordinaire. Voilà. Il y a la Piton aussi qui me plaît beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si je l'achèterai ou je la mettrai dans ma wishlist. Puisque j'ai deux swaps de prévu. Donc j'ai un swap qu'on a reculé avec Paula qui devait être normalement au mois de décembre cette année, mais elle a eu des problèmes financiers. Donc on a reculé le swap l'année prochaine en 2023. Elle voulait en fait qu'on recule le swap pour l'anniversaire, mais moi franchement, voilà, je trouve pas qu'il y ait de magie pour l'anniversaire. Bon, on va s'envoyer peut-être deux ou trois choses pour notre anniversaire. Mais voilà, je préfère faire un calendrier de l'Avent swap Noël parce que je trouve que la magie, c'est super bien en fait. Je préfère faire un swap Noël. Et donc en 2023, je fais un swap avec Jessica. Voilà, donc voilà, un swap, pas non plus un swap hors de prix, hein, puisque moi, des swaps à 200, 300 boules, what? Non. Voilà. 25 cases, mais elle veut autant de la déco que du make-up. Pareil, moi, du make-up, peut-être un peu plus, mais déco aussi, des petites tasses, des décos, voilà. Je sais qu'elle a très bon goût, Jessica. Donc voilà, donc 2022, ça sera avec Paula, et 2023, ça sera avec ma Jessica. Voilà, c'est tout. Bon, je vais faire mon petit soin, je change les batteries et je vous montre ce que j'ai à vous montrer ce matin. Ce que je dois vous montrer, donc le micro que j'ai oublié de faire. Je dois vous montrer approximativement vite fait le concours spécial Noël qui arrivera et qui sera en ligne à partir, je pense, du 20. Ou début décembre, il durera tout le mois et je l'enverrai au mois de janvier. Et suite à mon déglutteur, il y aura peut-être un petit concours avec une palette de chez Action que moi je n'utilise pas, que j'avais acheté. Peut-être. Voilà, on verra. Et je vous montrerai donc mes créations que j'ai mis en vente sur Vinted, que vous pourrez retrouver, qui peut-être pourra faire des petits cadeaux en plus en dessous de votre sapin. Voilà. Donc je fais tout ça et puis on se retrouve tout de suite. Là, je vais te parler donc du micro que j'ai reçu grâce à la plateforme Ivanti de chez Cdiscount. J'aurais dû normalement faire une vidéo individuelle. Le problème, c'est que les vidéos individuelles, c'est une obligation sur la plateforme Ivanti. Ça n'a pas du tout marché sur ma chaîne. Ça m'a plombé quand même mes nombres de vues hein, à cause de ces vidéos. Donc, étant donné qu'ils ont mis un mois à m'envoyer le produit, même plus. J'ai envie de vous dire que je suis en retard au niveau de l'édition. Je vais voir, je vais éditer, publier, valider ma vidéo sur plateforme 26 et je perds un crédit, je perds un crédit. Mais je préfère le mettre dans le vlog puisqu'il y a un peu plus de vues. Autrement, ça va me plomber ma chaîne, ça m'a plombé ma chaîne au niveau des nombres de vues. Donc voilà, donc je le cale ici. Donc la plateforme Ivanti, tout le monde peut y accéder du moment où vous avez un réseau social, que ça soit TikTok, que ça soit Instagram, que ça soit YouTube. Et en fait, c'est les marques qui déposent donc des produits. Alors vous avez des calendriers de l'Avent, il y a l'Occitane qui vient très régulièrement chaque année mettre des produits, des produits de beauté. Vous avez la marque Payot, vous avez la marque des parfums de luxe. Vous avez Cdiscount pendant un moment qui ont mis pas mal de produits. Donc grâce à eux, j'ai pu tester donc
L'enceinte que je mets très souvent, qui me sauve la vie quand je fais le ménage ou quand je veux écouter la musique ou quand je suis en voiture pour répondre au téléphone, et la haute aspirante, voilà, qui n'a pas énormément marché sur ma chaîne. Donc là, aujourd'hui, c'est un micro qui est comme ceci, qui coûte 12 euros et des bananes. Je pense que c'est un produit coréen, hein, de toute façon. Voilà, donc le packaging se présente comme ceci. Et il coûte 12 euros, 12 euros 93, voilà. Moins de 15 euros. Et donc c'est le Adlight KTV, le WS858. Vous l'avez en plusieurs couleurs. Vous l'avez comme ceci. Vous l'avez en gold, vous l'avez en black, vous l'avez en silver, rose gold. Moi je l'ai reçu en bleu, pink. Alors ce n'est pas pour moi, c'est pour Maëlia. Et c'est bien du made in China. Voilà. Donc j'avais pas vu, mais je viens de le voir maintenant. Et le micro s'appelle le Wireless Microphone Wi-Fi Spiker, voilà. Donc, il arrive dans une boîte comme ceci. Vous avez un petit cordon que vous pouvez recharger, donc USB, où vous mettez la charge de votre téléphone et vous le rebranchez, le chargez sur secteur. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Juste que ça va gueuler parce que quand on l'allume, par contre, j'aime pas parce que c'est très fort. The Bluetooth device is ready to Voilà. Donc, je t'ai cassé les oreilles. Excuse-moi. Et donc, après, ben. Il suffit de parler. Voilà. Et c'est le premier micro qui, franchement, parle, marche très bien. Voilà. C'est pour Maëlia. Maëlia, sans canne. Alors, elle a dû me baisser le son. Allô, allô? Voilà. Donc, elle peut enregistrer. Elle peut mettre une carte USB pour enregistrer des sons. Elle peut faire des voix de robot. Allô, allô? Voilà, il y a des voix un peu bizarres. Donc, il faut bien avoir par contre la bouche ici. Vous voyez? Hop! Allô, allô? Voilà. Donc, soit un petit micro à 12,93 euros. C'est vrai que moi, Maëlia, elle en voulait un depuis un petit moment, un micro comme ça. Elle avait un micro, mais ça marchait pas très bien. C'est ça qui est chiant en fait quand on l'éteint et quand on l'allume. Elle voulait un micro depuis un petit moment. Celui-ci marche très bien. Elle s'en canne pour faire du karaoké. Voilà, donc ça c'est un petit cadeau que vous pouvez offrir pour Noël qui est pas très cher. Au pied du sapin, si vous avez un enfant qui veut vraiment un micro qui marche, voilà. Là on peut mettre une clé USB. Après il y a un TF, je sais pas ce que c'est. Ouais, une carte mémoire, voilà, c'est ça. Une carte mémoire plutôt. Et après il y a un USB, voilà. C'est tout. Présentation du micro fait. Voilà, comme ça, c'est bon. Je vais le remettre dans la chambre à Maëlia. Voilà. Donc, pour ce micro. Ensuite, là, c'est le concours que je suis en train de vous préparer. Je pense que il est pratiquement fini. Voilà, je vous ai tout bien emballé. Voilà. Que vous aurez dans votre concours. Alors, il y a un petit fond de teint glowish que j'ai reçu en deux fois en teinte médium. Voilà, donc ça vous permettra de tester. Il y a des palettes, il y a un échantillon de chez Nox, il y a le collier que j'avais reçu, donc de chez Nox, vous savez, hop, que moi je n'aime pas, donc je vous l'ai mis. Voilà, avec le parfum, c'est. Oh, la vie est belle, je crois. C'est La vie est belle de chez Lancôme, numéro 418. Voilà. Brièvement, mais vraiment brièvement, il y aura le détail en décembre de tous les produits qui sont dedans. Voilà. Donc ça, c'est pour vous. C'est donc ce que j'ai préparé. J'ai rajouté des choses. Il y a des produits qui étaient pour un swap, comme je vous ai dit. Donc voilà, donc ça c'est pour vous qui arrivera. Là j'ai des packagings à ranger. Parce que vous savez que moi les packagings, j'aime les coller juste ici. Voilà. Vous le savez, hein, on va éteindre la lumière. Ici, voilà, qui marche super bien du coup maintenant. Donc, vous voyez, j'ai tous les packagings qui sont collés ici. Et j'en ai collé hier. Donc de nouveau, voilà. J'ai collé les Color Pop, j'ai collé ce que j'avais reçu, les rouges à lèvres gloss de chez Huda qui sont trop bien. Et j'ai rajouté la petite palette Natasha Denona parce que j'ai fait du tri hier, du moins j'ai enlevé les packagings des palettes. Et en haut, j'ai collé les deux crèmes. Donc la crème, le masque de chez Lidl, voilà, qui est le dupe.
Voilà, et à côté, ma crème de nuit de chez Too Faced que je suis en train de terminer et que je rachèterai. Et ça, c'est mon chouchou, Ole Henriksen. Voilà. J'ai mis les packagings les plus jolis, en fait. Voilà. Hop, j'aime beaucoup. Je pense qu'il va falloir que je m'arrête en coller, je pense que là. C'est bon, j'ai le calendrier de chez Sephora que vous aurez déjà vu en ouverture. Donc, je me suis trompée dans la vidéo, hein. Donc, c'est un calendrier de 6 cases, mais c'est un après calendrier de Noël. Voilà, il s'ouvre du 26 au 31. Et il a quand même une valeur de 52 euros. Voilà, donc pour 29,90 avec le bon 10 qui fonctionne, il vous revient un peu moins cher. Voilà, vous avez moins 10% sur le calendrier. Voilà, donc ensuite, je vais vous montrer. Bon, ne regardez pas parce que je n'ai pas fait le lit encore. Voilà, je vais juste vous montrer ce que j'ai mis en vente sur Vinted. Donc, c'est des créations, hein, tout simplement. Donc, je vais vous montrer ça viteuf. Donc, là, j'ai toutes mes créations que je faisais à l'époque où j'avais mes boutiques. Alors, il y a des choses que je n'ai pas mises en vente, mais si jamais il y a des choses qui vous intéressent, alors, n'hésitez pas de me contacter sur Instagram ou par mail, à la rigueur. Donc, il y a ça qui est en vente sur mon Vinted. Je l'ai mis, hein, voilà. Donc, c'est un stylo, voilà, que j'ai fait en Patimo. Et ce que vous pouvez faire ici, c'est enlever le bout, voilà. Et c'est rechargeable. Vous achetez un stylo Bic et vous pouvez le recharger de la couleur que vous voulez. Donc, ce sont des stylos qui sont réutilisables. Voilà, là, j'ai celui-ci, mais je ne l'ai pas mis en vente parce qu'il manque une oreille. Donc, si jamais ça intéresse quelqu'un, vous me le direz. Le Pierrot, je l'ai mis également. Voilà, c'est un stylo. Voilà. J'ai mis des couverts. Alors, les couverts, il y a celui-ci dans la nuit. Il est phosphorescent. Tous les petits points blancs que vous voyez, donc c'est une petite cuillère. Les cuillères, les couverts ne passent pas au lave-vaisselle. Il faut uniquement les laver à la main avec du liquide vaisselle. Voilà. Donc, voilà. C'est adapté à partir des enfants de 3-4 ans. Hein, voilà. Tout simplement. Ouais, le petit singe, celui-ci, il est en vente sur mon Vinted. J'ai mis celui-ci aussi. Voilà, le poisson clown. Pareil, il a les petits points blancs qui s'illuminent dans la nuit. Et j'ai mis celui-ci également en vente. Ça non, je ne l'ai pas mis en vente. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un, vous me le dites. Peut-être que je vous mettrai un stylo peut-être pour le concours ou une création, je ne sais pas. Attendez, je vais m'asseoir. Hop là. Ça va bouger. Je suis désolée. Ça, je ne l'ai pas mis en vente non plus. Voilà, c'est une cuillère, pareil. Je n'ai pas mis celle-ci en vente. Peut-être que je vais les mettre en vente. Hein. Moi, je vous montre vite fait. Il y a celle-ci aussi. C'est une grosse cuillère à soupe pour manger la soupe. Une petite cuillère avec une petite grenouille, mais il y a le petit bout qui s'est cassé. Voilà, j'ai encore un stylo, mais là, il est cassé, vous voyez aussi. Voilà, donc il y a des choses que non, je ne mettrai pas à vendre, je mettrai peut-être des choses. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est création que je faisais. Voilà, donc ça c'est pareil, hein. C'est des poupées que je n'ai pas mis à vendre parce que là il y avait une étiquette avec les prénoms, c'était une commande que j'avais fait et la personne s'est désistée au dernier moment, voilà. Ne m'a pas payé, elle a voulu le remboursement. Les joies d'avoir une boutique, donc du coup si ça vous plaît, bah écoutez, hein, ça peut faire un cadeau. N'hésitez pas à me le dire. Et ensuite il y a des choses que je vais mettre peut-être en vente. Donc je faisais des barrettes comme ceci. Vous retrouverez tout ça sur Vinted au fur et à mesure. Donc vérifiez mon Vinted, ça pour l'instant ça n'y est pas. J'ai des barrettes comme ceci. Si jamais il y a des choses que vous voulez voir en privé, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Voilà. Style, je faisais une montre comme ceci. Vous voyez, hop, avec les têtes de mort. Ça sera mis sur Vinted. J'ai des boucles d'oreilles comme ceci. Elles seront mises sur Vinted. Voilà. Il va y avoir des petites bagues aussi. Voilà, des petites bagues que je faisais comme ça. Voilà, si vous aimez ce monde un petit peu, voilà, là j'ai un bracelet en tête de mort. Celui-là, je vais le garder pour moi. Pour être avec mes trucs. Je découvre les choses en même temps que vous, hein. Alors, il est 18h15. Je viens à peine de finir de filmer ma vidéo sur le produit pour les sourcils de chez Youda que Marion Caméléon a testé, qui n'est pas normalement adapté pour les sourcils. C'est juste un top coat de la marque Youda qui est sorti, qui vient fixer tes sourcils contre la sueur, contre l'eau, waterproof, non cartonné, ça reste en place.
Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est un produit que Marion Caméléon utilise sur ses sourcils. Écoutez, je suis mitigée. C'est vrai que je suis un peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus waouh, beaucoup plus. Mais il y a quand même des points positifs. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette vidéo tu l'auras vue ou pas. Je ne sais pas. Si tu l'as dans le petit, c'est que cette vidéo, elle est sortie. Autrement, ben, elle va d'ici sous peu sortir. À... On est mercredi et il est 10h pile et je suis à la bourre comme d'habitude. Voilà, je n'ai rien fait à la baraque. Bon, le mercredi je cours de toute façon. Là, je vais récupérer donc Laura. Je suis un peu à la bourre, elle va attendre 2 ou 3 minutes dehors. Ce matin, elle n'était pas très bien. J'ai entendu le père qui lui disait que si elle n'était pas bien. Elle restait à la maison. Je me suis levée, elle mouchait. Normal, hein, le matin, il ne fait pas très très chaud. Quoique là, ça va encore à partir de lundi. Parce que bon, le matin, il fait un petit peu froid. Le matin, très tôt, mais à partir de 10h, on a quand même 12 degrés. Et après, dans l'après-midi, on a quand même, hier, on a eu 26. Voilà. Comment vous dire que hier, beaucoup de personnes étaient en t-shirt pendant qu'il faisait chaud. Donc, je pense qu'elle a dû me choper un coup de froid, tout simplement. Ensuite, je vais donc récupérer mes courses. Je rentre à la maison, je range les courses avec Laura, je range la maison. Je monte mon studio vidéo puisque je vous tourne donc la dernière vidéo Halloween. Donc, je te spoil, hein, ça sera le vampire, tu le verras. Alors, je marquerai tuto make-up vampire Jiffy. Pourquoi? Parce que j'ai acheté un kit chez Jiffy pour faire le vampire et que j'utiliserai ce kit, mais pas que, puisque je veux faire quand même un make-up au niveau des yeux. Ça sera le dernier déjà de la série Halloween. Franchement, c'est passé trop, 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 trop vite. On va enlever ça parce que j'en peux plus de moi. Franchement, je n'en peux plus. Ça y est, le make-up Halloween est terminé. Et comment vous dire, ça là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, je ne l'ai pas filmé dans le tuto, le dernier make-up Halloween. Regardez, hein, je l'ai mis, allez, 30 secondes. Hein, vous allez voir. Comme c'est dégueulasse. Alors, je ne sais pas si tu vas voir la bave. C'est dégueulasse. Ouais, très peu de pas parce que là, je n'ai pas porté beaucoup. Mais quand j'ai dû faire le réel, oh, c'est dégueulasse ce que je fais. Quand j'ai fait le réel plus les photos, je ne raconte pas toute la bave qu'il y avait parce que dans l'accessoire de chez Jiffy, tu as une petite égouttoir là. Ça fait penser à, vous savez, ce que vous mettent les dentistes et que tu baves énormément, tel un escargot. Et eh bien c'est la même chose. Donc je suis contente, j'ai fini ma série Halloween. Voilà, maintenant il faut que je range tout. Alors, j'ai vraiment tourné très rapidement parce que je savais que j'avais le Coolinox qui allait arriver. Je vous en parlerai fraîchement demain. Je vous montrerai ce que j'ai reçu puisqu'il y a une petite nouveauté de chez Nox. Donc j'ai attendu à tourner la vidéo parce que j'étais avertie que le colis allait arriver. En plus ça, j'avais un numéro à donner au facteur, ça évite de signer le colis. Et donc j'ai commencé, il était 3h15, donc il est 16h40. Je suis trop contente. Le make-up en lui-même n'est pas très compliqué. Donc bien sûr, on peut mettre des lentilles. Donc je vais mettre juste ici donc les lentilles rouges qu'on peut mettre. Voilà, j'ai mis un filtre du Snapchat, ce que j'ai intégré d'ailleurs dans le make-up de chez la nonne. Parce que moi, vous savez que je ne peux pas porter de lentilles. Et donc, là, pour le vampire. Vous pouvez les retrouver chez Jiffy ou La Farfouille. J'avais dit qu'ils étaient au prix de 9,99. Mais j'ai vu que chez Jiffy, ils étaient à 8,99. Donc, il y a une petite baisse. Je ne sais pas si c'est la marque Fashion Lentille. Par contre, moi, je vous conseille vraiment Fashion Lentille. Voilà. Donc, si pour faire un make-up de suite, maintenant,
Ben voilà, vous peut-être vous les retrouverez de couleur rouge chez Jiffy ou La Farfouille. Par contre, si c'est pour une organisation d'un make-up l'année prochaine, commandez-les directement sur le site si vous ne trouvez pas, bien sûr, votre bonheur à Jiffy ou La Farfouille. Donc, je suis contente. La série Halloween est enfin terminée. Juste que j'espère que j'aurai un peu plus de vues parce que là, c'est vrai qu'à l'instant T même où je vous filme, je ne sais pas si je le referai l'année prochaine. Cette année, j'avais envie de vous proposer un make-up chaque semaine, faire une petite série Halloween et ben c'est dommage, ça marche pas. Voilà, j'ai pas énormément de vues. Il faut savoir que c'est énormément d'investissement, de recherche, d'heures de montage parce que je suis très perfectionniste dans les montages. Je suis comme ça. Peut-être qu'avec l'âge, ça changera également, mais je suis très perfectionniste dans ce que je fais. Pas dans tout, mais c'est vrai que je m'éclate tellement à faire des make-up, même si en soi, certaines personnes trouveront que mes make-up sont pas extraordinaires. Moi, je me satisfais de ce que je fais et je suis très fière dans certains make-up que j'ai pu proposer. Pour la série Halloween, donc, il y a des make-up qui sont beaucoup plus, on va dire, compliqués. On va dire celui de la sirène Mermaid Rock, où là où il faut vraiment beaucoup plus de technique, mais après on peut le faire à sa sauce et selon son niveau. On m'avait demandé, j'avais eu trois commentaires me demandant si j'allais faire des make-up Halloween. Deuxième, que elle avait adoré les make-up Halloween. Je crois que j'en avais fait trois l'année dernière. J'avais fait le clown et j'avais fait la Harley Quinn. Non, je sais plus ce que j'avais fait avec les cheveux noirs. Soit c'est un intro de mes vidéos Halloween. Donc vous aurez qu'à taper tuto ou make-up Halloween Unirady et vous retrouvez. Et donc voilà, j'ai fait des make-up Halloween avec des produits peu chers, des produits qu'on peut avoir chez nous. Bien sûr, vous pouvez changer les couleurs dans les make-up, à part celui-ci, parce que bon, à part que vous mettiez que du noir, hein, mais vous pouvez tout à fait changer. Voilà, ça fout un petit peu les boules dans le sens qu'on n'a pas énormément de vues et c'est beaucoup d'heures de montage, de temps, d'investissement. Moi, j'ai pas ma pièce attitrée, donc je suis obligée de ranger mes parapluies, mes lumières, mon appareil photo, tous les matériels que j'ai dessus. Là, je vous ai déjà montré de toute façon, si vous me suivez sur mes vlogs, ben, j'aimerais avoir une pièce attitrée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc, je ne sais pas du tout si l'année prochaine je le fais. J'ai des idées en plus de make-up. J'ai vu deux make-up que j'aimerais réaliser. Alors, peut-être l'année prochaine, vous proposez que deux make-up. Alors, j'attends de voir ce que vous allez me dire en commentaire. Voilà. C'est un petit peu décevant, mais bon. Tant qu'on a envie de le faire, moi c'est un échappatoire, hein. YouTube, ce n'est pas mon métier, c'est pas avec ce que je perçois que je peux en vivre, hein, c'est une certitude. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime partager avec vous. Donc j'espère que vous aussi vous aimez. Je vais vous montrer tout ça en petit commentaire. Et bien maintenant, on va tout ranger. Voilà. J'espère que ça va partir. Oui, celui-ci je le connais. Par contre, le faux sang dans les petits trucs de chez Jiffy là, que je trouve très excessif pour le coup, parce que je pense que pour 4,99€, dedans vous avez deux petits fioles de sang qui de coup marchaient très bien parce que ça a très bien coulé. C'est du sang coagulant. Il y avait deux petits fards gras, blanc et noir. Et donc l'accessoire vampire que tu as vu juste avant. Je trouve que c'est très très cher. Par contre, si c'est un make-up que vous voulez réaliser l'année prochaine parce que vous avez une soirée l'année prochaine, ben, allez sur AliExpress parce qu'ils font les petites facettes qu'on vient directement glisser sur les dents et je pense que c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus agréable à porter que ça. Parce que franchement, bravo à ceux qui vont le porter. C'est adapté pour les enfants de plus de 14 ans. J'ai pas vu la date, la date, l'âge. Donc du coup, je peux vous dire que moi, ça m'a fait super mal. Voilà. Sur ce, cessons de blabla. On se retrouve demain très fraîchement pour vous parler des produits Nox que j'ai reçus. Ils ont sorti une nouveauté sur leur boutique. Je pense que ça pourrait plaire à beaucoup et que ça pourrait faire guise de cadeau de Noël sous le sapin de 2021. Donc, je vous dis à demain. On déballera le colis fraîchement et je vous dirai tout ça parce qu'il y a des petits codes promotion et tout qui vont arriver.
Le jour vient de se lever, je bois mon petit café et mes petites biscottes au blé tous les matins. Je pète un câble. Dans ce vlog, je pète un câble. On est jeudi et il est 8h58. Je déjeune maintenant. Aujourd'hui, rien de prévu à part du ménage, du montage, parce que je dois faire le montage du vlog 36. Donc, j'ai déjà fait la lecture fluide, j'ai juste à monter. Alors, les vlogs vont très vite. Demain, je vais commencer à faire le montage du make-up de vendredi prochain. Voilà. Le dernier de Halloween que tu auras vu. Hein. Je te cache rien. On va monter un peu plus. Voilà. Oui, j'ai mon petit micro ici hein, parce que j'ai mis un haut de chez Shein mais qui me va trop grand. Donc du coup, j'ai mis le soutien-gorge dessous. J'attends une commande d'ailleurs de chez Shein. Je ne vous l'ai pas dit. J'ai fait une commande Shein, mais je crois que je vous l'ai dit que niveau soutien-gorge, j'en avais certains qui étaient trop petits et d'autres qui étaient trop grands. Voilà. Donc j'ai commandé des lingeries parce que j'avais commandé ce style de soutien-gorge comme ceci. Voilà, vous voyez, il est en dentelle, il remonte comme ceci. Il y a des petites bretelles comme ceci. Et je trouve qu'en fait, quand on a des hauts trop grands comme celui-ci, vous voyez. Voilà, ça fait joli. Donc, j'aime bien. Et comme moi, j'ai beaucoup de hauts asymétriques, des hauts bardeaux, ben, ça va très bien. Voilà. Hop, j'ai le micro là, alors. Faut pas que je montre trop. Là, je suis en train de déjeuner, hein, comme tu l'auras compris. Il faut que je fasse aussi la vidéo pour le petit micro. Le problème, c'est que j'ai jeté le carton. Voilà. Et il demande la vidéo. Donc la vidéo sur YouTube, je l'ai inclus dans ce vlog, le micro, mais ils veulent la vidéo individuelle. Moi, je montrerai juste le micro, puis basta, je dirais qu'il est bien arrivé, et puis si ça leur convient pas, ben écoute, ils me donneront pas le crédit. Hein. En même temps, j'ai attendu le micro pendant un mois, même plus de un mois, je crois. Ça fait quoi, 15 jours que j'ai dû le recevoir, et ils me réclament la vidéo. Voilà. Je leur ai dit que j'étais dans ma série Halloween, que j'avais des choses à faire, que le micro au début, ben, il déconnait, mais c'était juste par rapport à le fait qu'il ne soit pas bien chargé. Voilà, je vous montrerai juste après le Colinox, voilà, parce que il y a un produit qui est nouveau que je vais tester avec vous. On va le brancher, on va voir ce que ça donne. Bon, je vous retrouve avec le colis de chez Nox, parfum que j'ai reçu. Donc, leur petite nouveauté, c'est ceci. Donc, je vais l'installer juste après. Là, je vous présente les produits. Donc ça, on va l'installer après. On va l'utiliser. On va voir ce que ça fait. Voilà. Donc, c'est tout simplement un humidificateur LED. Donc, c'est pour purifier votre maison, appartement. Si j'ai bien vu, c'est un humidificateur qui va humidifier une pièce de 30 mètres carrés, je crois. Voilà. Donc, vous l'avez en deux couleurs, je crois. Marron foncé, marron clair, comme ceci. Donc, c'est couleur LED, c'est-à-dire que ça change de couleur. Ici, je crois qu'on a, ouais, on a des petits dessins. Alors, celui-ci, il fait des petits poissons. Ouais. Et l'autre, il fait des petits trucs comme ceci la nuit. Et il y en a un, il fait rien du tout. Voilà. Donc, ultrasonique. Voilà. Avec ça, donc on a trois fioles à l'intérieur. Donc, j'ouvre avec vous. Hein. Avec une main, ça va être compliqué. J'espère que vous allez bien voir. Hop. Je regarde si j'ai allumé le micro. Oui, je suis désolée. Parce que des fois, ça m'arrive de parler et j'ai pas allumé le micro. Donc, à l'intérieur, il y a déjà, si tout se vient avec moi, ça va pas le faire. Voilà, donc à l'intérieur, on a trois fioles. Donc, c'est de l'huile essentielle. Voilà, qui sont livrées avec. Donc, ça, le pack coûte 29,90, je crois.
ou 26,90. Je vous mettrai le prix juste en dessous parce que ça, je ne l'ai pas regardé. Voilà, donc on a trois petites fioles comme ceci. Alors, on a celle-ci. Ouf, ça sent super bon. Il y a le Bahama. Arôme essence 25 millilitres pour l'humidificateur. Alors, je ne sais pas s'il y a écrit les notes ou pas. Alors, celui-ci, comment il sent? Je vais sentir. Oh, il sent trop bon. Il sent trop bon. Bahamas. Ensuite, on a celui qui sent Ibiza. Voilà. Arôme essence 25 millilitres pour humidificateur. Voilà. Là, ça sent très bon aussi. J'aime beaucoup. Donc, en dessous, on a les références, peut-être. Ouais, c'est le numéro 22. On a le numéro 23. Donc, je mettrai une petite indication juste ici. Est-ce qu'il y a des notes olfactives? Je vous les mettrai parce que ce n'est pas indiqué. Et je vous marquerai aussi en bas de l'écran s'il y a d'autres senteurs disponibles sur le site parce que c'est une nouveauté. Et là, on a le Santorini. Voilà. Donc, 25 millilitres, pareil pour unificateur. Et en dessous, ouais, il n'y a que ça, il n'y a pas écrit les notes. Et c'est le numéro 06. Et celui-ci, ah, j'aime moins celui-ci. Celui-ci, j'aime moins. Ça me fait penser à l'odeur de lessive. Celui-ci, j'aime moins. Je préfère les Bahamas et Ibiza. Voilà. Ça sent vraiment l'été, la base de vanille et tout. Voilà. Donc, l'humidificateur, qu'est-ce que j'ai eu? Parce que c'est aléatoire. Alors, je ne sais pas si quand vous commandez, c'est aléatoire ou pas. Ben, j'ai reçu le foncé, moi. J'ai reçu celui-ci, là. Le foncé. Alors, ça doit faire des lumières la nuit. J'ai reçu le marron foncé. Donc, c'est impeccable parce que comment vous dire que moi, mes meubles de la salle à manger, c'est industriel et bois. On va réussir à l'enlever. Donc, ça se présente comme ceci. Alors moi j'ai reçu celui-ci. Voilà, j'ai reçu le marron foncé. Donc à l'intérieur, vous avez une clé USB. Donc soit vous mettez sur un récepteur USB. D'ailleurs, ils vont en sortir à Lidl le 23 ou le 25. Je vais me l'acheter, ça coûte 5,99 €. Soit vous adaptez une prise et vous le branchez sur secteur. Et il y a ça, je crois que c'est des petits filtres. Alors, il va falloir que je lise. Hein. Donc, je pense qu'il faut remplir d'eau. Parce que j'en avais déjà eu un de humidificateur comme ça. Remplir d'eau ici. Après, je pense qu'il faut mettre quelques gouttes d'huile essentielle que vous choisissez. Et ensuite, eh ben, vous le branchez tout simplement. Voilà. Et je pense que ça doit être des filtres. Voilà. Donc, il y a la notice ici. Donc, je lirai tout ça. Et ça, je crois que c'est 26,90 ou 29,90. Donc, après, je vais vous montrer les parfums. Et il faut savoir que il va y avoir donc durant 10 jours, donc du moment où tu regardes ce vlog, tu as droit à une remise de moins 20% quand la vidéo sort durant 10 jours. Durant 10 jours, moins 20%. Donc ça, c'est pas négligeable que ça soit sur le kit. Nouveauté ici, que ça soit sur les parfums ou sur tous les produits qu'ils proposent, puisqu'ils proposent des parfums pour véhicules et ils proposent aussi ils proposent des, vous savez, ce qu'on brûle ou qu'on met qui sent bon aussi pour la maison, du sent bon pour la maison. Je n'aurai pas le mot, je vous mettrai en bas de l'écran. Et donc, des 50 € d'achat, donc vous pouvez mettre le bon applicable. Et dès que vous avez plus de 50 € ou à partir de 50 € avec le bon applicable, de moins 20%, vous avez un collier offert. Voilà, et livraison gratuite. Et le code promo, je vais te le mettre juste en bas. Donc, le code promo reste le même, c'est toujours le même, hein, Univers Lydie. Donc, durant 10 jours après cette vidéo. Voilà, ben le jour où elle est postée sur ma chaîne. Donc, vous avez 10 jours avec moins 20% sur toute la boutique Nox. C'est plutôt pas mal. Donc, profitez-en pour faire vos petits cadeaux. Ensuite, vous voyez comment c'est emballé. C'est super bien emballé. Voilà. Alors, par contre, petite chose sur la promotion. Donc, les moins 20% ne sont applicables que sur les produits. Donc,
de chez Nox, mais hors solde. Et ce n'est pas applicable sur les échantillons parce qu'ils font des échantillons de parfum. Voilà. Et même, si vous prenez que des échantillons de parfum, ça ne sera pas applicable. Voilà. Et donc là, j'ai les trois parfums ici. Donc, ils nous ont remis les petits nœuds rouges. Et donc là, j'ai eu une petite fleur que j'ai déjà eue. Vous voyez que c'est super bien emballé. Il n'y a aucun souci. Les parfums, vous avez des parfums de 30 ml, de 50 ml et de 100 ml. Les plus petits prix, donc 30 ml, ils sont à 13,80 € environ. Les 50 ml sont à 16,80 € et les 100 ml sont à 29,90 €. Donc on est sur des parfums qui sont à moins de 30 €. Ce sont des parfums qui sont des génériques de parfums de grandes marques luxe. On a du Dior, on a du Givenchy, on a du Dolce Gabbana, on a du Chanel. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a du Carolina Herrera. Ils font des parfums femmes, des parfums mixtes et des parfums hommes. Voilà. Vous voyez que c'est super bien emballé. Donc moi, je vais vous dire les trois parfums que j'ai pris. Donc si je m'en souviens. Voilà. Donc là, on a eu donc des contenants de combien? De 50 ml, hein, je pense que c'est. On va regarder. Donc là, j'ai pris le 479 et le 479. C'est le Carolina Herrera, le Coup de Girl. Et ils sont trop, 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 trop bons. Voilà. Alors, les parfums femmes ont un petit cabouchon comme ceci doré. Et pour homme, argenté. C'est la seule chose qui permet de les différencier. Les contenants sont comme ceci. Et on est sur un contenant de 50 ml. Voilà. Donc moi, je vous préconise de vraiment prendre les parfums à 50 ml. Les 30 ml vont partir beaucoup trop vite. Et pour, allez, 2 euros, vous avez un 50 ml. Donc après, selon ce que vous prenez, ben, la couleur des contenants des parfums à l'intérieur, le liquide, on va dire, on va y arriver. Change. Donc celui-ci, je ne vais pas le sentir parce que je le connais, je l'ai un petit format et je l'aime beaucoup. Voilà, donc le 479, c'est le coup de girl de Carolina Herrera. Ensuite, le 2418, il me semble que c'est le Joy de Dior. Et Laura, elle a repris Angel, c'est le 0,99. Voilà. Alors Laura, il faut savoir qu'elle adore Angel de Thierry Mugler. Donc voilà, je vais vous montrer la différence de couleur parce que ça différencie, ça va bouger, hein. Ça différencie au niveau des parfums que vous prenez, hein, tout simplement. Voilà. Donc celui-ci, vous allez voir que le liquide, il est un peu jaune. Vous voyez? Hop. Donc Laura va être contente, donc elle, je lui garde le packaging parce qu'il lui en reste. Mais elle aime tellement celui-ci que ben voilà, elle aura en rade de côté. C'est le parfum que je portais aussi quand j'étais jeune. Ouais, je l'ai, hein. Je crois que je l'ai, hein, chez Noxin. Et là, moi, j'ai pris le 2418 et c'est le Joy de Dior parce que ma soeur m'a dit qu'elle avait une copine qui le portait et qui sentait super, super bon. Bah écoutez, on va voir. On va voir s'il sent bon. Il sent bon. J'aime bien. Voilà. Donc, vous avez derrière le numéro du parfum. Pour accéder au parfum de chez Nox, donc quand vous arrivez sur le site, vous verrez, dès que vous accédez sur le site, vous descendez et vous allez avoir un petit icône pour chercher vos parfums équivaut à ton parfum préféré. Tu cliques dessus et ça va t'amener sur une page. Il faudra suivre juste les indications, de cliquer sur le format PDF hein, et là tu vas avoir donc un tableau avec plus de 500 références de parfums et vous verrez tous les parfums qu'ils peuvent proposer. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment là maintenant, si vous voulez faire des cadeaux de Noël, si vous savez pas trop quoi offrir, franchement je peux vous dire qu'ils tiennent super bien. Si vous suivez mes vlogs, la semaine dernière j'ai ma fille qui a perdu sa veste, qui est restée toute la nuit dehors et chez nous il fait très humide et elle avait mis donc le Alien mâle homme parce qu'elle aime les parfums hommes. Elle est comme moi étant jeune, je portais le Jean-Paul Gaultier homme et je peux vous dire que quand j'ai récupéré sa veste, il sentait super bon. Voilà, ça sentait encore. Donc sur les vêtements, ça tient très bien. Après, sur les peaux, certains parfums vont tenir plus longtemps, d'autres vont tenir moins longtemps. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme les parfums de luxe. Il y a des parfums qui tiennent très bien selon les peaux et d'autres qui tiennent un peu moyen,
moins bien. Et même des parfums, moi je sais que ma sœur adore le parfum Interdit, l'Interdit de chez Givenchy, j'arrive plus à parler. Et elle, quand elle le met sur sa peau, ça sent super bon. Et moi, quand je le mets sur la peau, vu mon pH de peau, j'en sais rien, il tourne totalement et il n'a pas du tout la même odeur. Voilà. Et on parle là de parfum de luxe qu'on va acheter en grande, du moins en grande surface, dans les parfumeries ou quoi que ce soit. Voilà. Donc les parfums Knox sont des génériques. Certes, ils ont la même odeur. Ils vont peut-être tenir un peu moins longtemps que un parfum que vous allez acheter en parfumerie, hein, parce que reste parfum de luxe, on paye le packaging. Mais moi, je vous le dis sincèrement, tous les parfums que j'ai testés, ce sont des bombes atomiques. Voilà. Donc, je viens de le brancher au coin. Par contre, il faut que je m'achète une petite prise pour le mettre de façon. Bon, peut-être pas quand j'ai envie de le brancher. Je prends la multiprise parce que c'est USB. Donc là, j'ai mis de l'eau et en fait, il faut mettre de l'eau jusqu'à au trait. Voilà. Alors après, il y a le filtre ici, ce que je vous ai montré blanc, qu'il faut changer. Ben, je ne sais pas combien de fois. Hein. C'est pas écrit en français. Donc déjà, hop, vous voyez, ça s'est allumé là. Donc, il y a Laura qui va venir mettre les gouttes essentielles parce que je ne peux pas filmer en même temps. Tu viens, Laura? Donc, je mets 3-4 gouttes de ça là dans l'eau. Fais attention. Voilà, vas-y, mets 4 gouttes. 2, 3. Bon, mets tout 4. Encore une. 5. Voilà, on a mis 6 gouttes. C'est bon, hein. Vous pouvez mettre que 3-4, hein, ça dépend. Hein. Donc, nous, on a mis. J'ai mis le Bahamas. Voilà. Donc. Là, je ne sais pas pourquoi ça s'est allumé. Alors, tu tiens la caméra comme ça. Tu fais attention. Parce qu'elle ne va pas savoir le fermer, elle. Et je ne sais pas pourquoi ça s'est allumé. Ah, ben, je ne sais pas. Donc, après, on vient. Hop, le fermer. Donc, j'ai bien branché là. Et on va appuyer sur le bouton. Alors, déjà, je ne sais pas si on voit là. C'est LED. Alors, est-ce que j'ai bien appuyé sur le bouton? Oui. Alors, on va le laisser. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Ah, ça y est. Vous voyez? La fumée, elle sort déjà. Alors, normalement, ça doit faire des couleurs. Et apparemment, la nuit, il y a des petits dessins ici qui doivent se mettre. Alors, vous voyez? Ah oui, ça sent. Je sais pas si vous voyez la fumée. Oui, vous voyez bien la fumée. Ah oui, ça sent, hein. On est vendredi et il est 11 h. Je vous reprends que maintenant. Je ne ferai pas de make-up cette semaine dans le vlog, tout simplement parce que là, je me sens vraiment pas bien. Alors, tout ça à cause des gouttes, hein, tout simplement. Ça me fait ça à chaque fois que j'ouvre un nouveau contenant de mes gouttes. Pour la tension oculaire, envie de vomir, vertige un petit peu. Là, c'est qu'envie de vomir, mal aux yeux après. Vous savez, la boule qui monte, qui descend et que tu as mal à l'œsophage. Donc du coup, ben, ça va être Cavascon. J'espère que ça va passer avec ça. Donc du coup, ben, ce matin, j'avais dit que cette semaine, je testerai donc ces deux produits là. Donc la palette donc de chez Yuda, la dernière. Voilà. Donc ça, on le testera dans le prochain vlog. Hein. La semaine prochaine, c'est les vacances. Donc voilà, je trouverai un ou deux jours pour me make-upper. Parce qu'après, j'ai des vidéos à tourner aussi pour commencer à programmer pour les vidéos futures. Et le Dazzle aussi, stick de chez Kat Von D. Je voulais le tester cette semaine, mais on le testera la semaine prochaine. Et en même temps, ben, on testera le petit blush. Et on testera ça que j'ai eu dans le calendrier de chez Sephora. Voilà. Qui, pour le coup, je trouve qu'il est... Très bien, voilà. Franchement, pour 29,90 €, il a une valeur de 52 €. On a quand même un petit blush comme ceci qui a l'air super joli. Voyons. Ouais, il est joli le blush. Regardez le blush, comment il est joli.
franchement. On a un petit fard mono pailleté comme ça. Ça, c'est super cool. Je me demande si c'est pas la même chose que du Diesel. On va bien voir. Celui-ci, moi, j'ai eu la pailleté glitter. C'est le numéro 205, le Ballet Shoes. Et franchement, il est très, très joli. Voilà. On testera tout ça la semaine prochaine. Voilà. Ou la semaine d'après. On testera un petit peu quelque chose tous les jours. Puisque je ne vais pas crash tester ça dans des vidéos spéciales make-up. Parce que de toute façon, ça ne vous intéresse pas. Voilà. Et bien, ce vlog va se terminer ici. Avant de se terminer, je vais donc vous remontrer le produit de chez Knox, donc l'humidificateur. Il s'éteint automatiquement quand il n'y a plus d'eau. C'est pas au bout d'une heure. Voilà, il s'éteint automatiquement quand il n'y a plus d'eau. Je vous mettrai les dimensions sur le côté juste après. Le prix, c'est 29,60 €. Voilà. Et vous avez donc les trois fioles. J'ai regardé sur Nox, donc les trois fioles. C'est uniquement ces odeurs-là qu'il y a pour l'instant. Peut-être qu'après, par la suite, il y aura d'autres odeurs. Donc, individuellement, si vous finissez après les petites fioles, mais je pense que vous en avez quand même pour un long moment. Si jamais vous finissez, donc les fioles à l'unité sont à 7,60 €. Et donc, il y a les trois fioles pour 20 € je crois, ou 13,90 €. En tout cas, c'est dans la catégorie ambiance maison, je crois. Et là, vous avez donc les humidificateurs et vous avez donc les parfums d'ambiance avec les petites tiges, vous savez, et vous avez donc les parfums pour voiture. Voilà. C'était tout. Et puis bon, ben, je vais vous montrer ça parce que là, je vais remettre de l'eau et je vais mettre donc la senteur Ibiza, la senteur Bahamas. C'est une dinguerie. Franchement, ce truc, c'est une dinguerie. Les odeurs, c'est un truc de malade. Moi, j'ai ma salle à manger, elle fait 80 mètres carrés. Salle à manger, salon et cuisine. Ben, je vous jure que mon salon, il doit faire, allez, il doit faire 50, 60 mètres carrés. Non, 50, 50, ouais, 50, puisqu'après j'ai le salon et la cuisine. Ouais, ça doit faire 50. Je vous jure, ça a balancé une odeur, un truc de malade. Alors, ma fille m'a dit que ça sentait super bon, mais qu'après, il fallait pas le laisser loin. Toute la journée quoi. Là, il a infusé, je pense, pendant bien bon 2 h 30. Voilà. 1 heure, non. Plus d'une heure en tout cas. Et ça a mis une odeur de malade dans la baraque. Donc, je vous remontre ça parce qu'on va mettre d'autres gouttes. Je vais mettre ce matin, je vais mettre le Ibiza, je vous ai dit. Donc, je vous laisse avec les petites images en petite musique. Et puis, ben, on se retrouve pour un prochain vlog. La semaine prochaine, c'est les vacances. Donc, semaine prochaine, on va sortir un petit peu. Je vais aller à Montauban parce que la fille veut s'habiller. Et on doit aller au nouveau magasin qui s'est ouvert chez nous. On a un Vibes qui s'est ouvert où on a donc du Bonobo cache-cache. Du Bréal, je crois. C'est donc un magasin pour hommes. Et ma fille, elle a envie de faire un tour. Et moi aussi, j'ai envie de voir ce qu'ils font et voir leurs tarifs. Voilà. Allez, je vous laisse avec la petite vidéo donc du diffuseur. Voilà. Et puis, ben, n'hésitez pas à faire vos petits cadeaux de Noël parce que là, moins 20%, eh ben, il faut vraiment en profiter. Alors, faites pas attention aux cheveux. Je les ai lavés ce matin. Donc, ils sont un petit peu foufous. Allez. À la semaine.